Je m'appelle Clémentine, j'ai sorti un album qui s'appelle Quel temps fait-il, en France et au Japon. Je fais une carrière au Japon depuis bientôt 30 ans. Et dans ce nouvel album, je reprends des vieilles chansons françaises, de Miss Tinguette à Serge Gainsbourg, en passant par Jean-Yann, arrangé latin jazz, brésilien, comme ça, bossa. Et je fais un concert au Bal Blomé le 16 décembre à 20h. Alors, je sais pas, ça peut avoir un double sens. Hein. Bon, enfin, moi, je le prends comme ça, la ville de joie, quelque chose de gay. Donc, mon album, il est gay, il est léger, pas prise de tête, ça fait du bien. Voilà. Une mère, donc ma mère, elle a compté pour moi évidemment beaucoup. En plus, on travaillait ensemble, c'était mon manager à mes débuts, et c'est elle qui écrivait toutes mes paroles en français pour le Japon. Et voilà, donc c'est émouvant de voir ça. Et je vais chanter justement au Bal Blomé des chansons écrites par elle. L'été, un après-midi à Paris, une fille comme si, enfin plusieurs titres. Ça me fait plus mal. Oui, mais pourquoi pas, ça me fait plus mal. Il y a des trucs, je m'en fous. Alors, je sais pas si c'est l'âge ou pas. Je m'en fiche, il y a des trucs, je m'en fiche. Avant, j'étais plus focalisée sur des trucs. Maintenant, voilà, ça me fait plus mal. Donc, ça fait 3 ans qu'on est sur cet album. Enfin, il est sorti quand même. Mais c'est comme si on avait fait un bébé avec Thierry. Hein. On a démarré avec, voilà, à la fois fouillante, trouvant des vieilles chansons françaises parce qu'on voulait faire un album de reprise. Et puis, j'avais envie de faire cet album avec mes musiciens avec lesquels j'ai l'habitude de jouer depuis des années, qui partent avec moi au Japon. On a fait l'album chez Robson Galdino, qui a arrangé tout le disque et qui est guitariste. Ce qui nous a plu, enfin moi ce qui m'a plu beaucoup et ce qui m'a beaucoup amusé, c'est de faire ce clip sur Froufrou avec le petit vélo. J'ai rencontré grâce à Thierry, Cyril Hervé, qui est un jeune garçon, enfin il a 30 ans, qui est sorti d'une école de motion design et qui nous a fait un clip sur Paris, un peu désuet, avec des lumières, avec des couleurs marrantes, avec la tour Eiffel verte qui bouge comme ça enfin, je sais pas, comme ça, qui ondule. Et donc ça, le clip, ça a pris 6 mois, mais c'était très amusant. On l'a fait même dans ce salon, avec le truc vert derrière, là. Et sur mon petit vélo, j'étais sur un petit tabouret et j'avais du vent, là, comme ça, pour faire comme si je faisais comme si je pédalais. Voilà, donc c'était une bonne... Enfin, c'était sympa ces 3 années. Alors, ça a été retardé à cause du Covid, puisqu'on aurait dû le sortir avant. Mais voilà, c'était un beau projet. Donc j'ai fait un album que j'ai produit moi-même. J'ai eu envie de... Voilà, c'est la première fois que je produis un album moi-même, comme une grande dame. Et donc je me suis fait plaisir. J'ai repris des chansons françaises. J'avais envie de faire des reprises. Des chansons françaises peu connues. Des chansons françaises anciennes. Et moins anciennes, comme... Enfin, la plus récente, c'est peut-être Serge Gainsbourg, La fille qui fait chic. Des chansons genre Idéalisation. De Dominique Cosette, que j'ai d'ailleurs rencontré, qui est très sympathique, avec des paroles complètement surréalistes. Une chanson qui s'appelle « Il fallait pas écraser la queue du chat », qui était un tube dans les années 60. Donc voilà, un album avec des musiciens brésiliens, mes musiciens avec lesquels je pars au Japon. Un album latin jazz, acoustique, avec des arrangements de Robson Galdino. Léger, brésilien, j'ai déjà dit, voilà, jazz, brésilien, acoustique, qui fait du bien, qui détend, qui m'a en tout cas moi détendue. Alors j'ai un concert au Bal Blomé le 16 décembre à 20h. On va reprendre des chansons de mon nouvel album et des anciennes chansons de jazz, des chansons qui ont très bien marché au Japon, même une chanson d'un dessin animé japonais qui s'appelle Urusei Yatsura. Et sinon, bah, j'espère des concerts du Japon l'année prochaine, je pense, moi toute seule apparemment, puisque ça va continuer encore le Covid, donc j'irai sans mes musiciens. Et voilà, donc, et j'espère d'autres concerts, et on est en train de discutationner pour faire peut-être un prochain album.